Hervé Mariton, bonsoir. Bonsoir. Député de la Drôme. Alors, je vous pose la question un peu insolidum. On vous propose un projet de loi, une proposition de loi sur l'extension de l'interdiction du foulard à la fois à l'université et à l'entreprise. Qu'est-ce que vous en faites ? Je suis contre le port du foulard à l'université et dans nombre de cas en entreprise sûrement. Et je considère qu'il est important que les chefs d'établissement, les présidents d'université, les chefs d'entreprise, dans leur gestion interne, puissent gérer ces situations. Je ne sache pas qu'il y ait tant de situations ingérables en France aujourd'hui. Et donc à la fois, je suis contre le port du foulard et je suis contre une loi interdisant le foulard à l'université. La situation à l'université aujourd'hui me paraît très différente de celle qui a été tranchée par la loi de 2004 concernant l'école, le collège et le lycée. J'ai été très actif dans l'adoption de cette loi interdisant le port des signes ostensibles de religion à l'école, au collège et au lycée. Il faut d'ailleurs avoir en tête que si on interdit le foulard, ça mènera aussi l'interdiction des croix et des kippas. Pourquoi pas, pendant qu'on y est, exiger une telle neutralité de l'espace public qu'on demande d'enlever les croix qui sont au-dessus des églises. Il y a un moment où il faut tout de même un petit peu réfléchir aux interdictions que l'on pose. Donc, il n'y a pas de prévention à faire dans ce domaine, vous pensez, M. Mariton ? La laïcité ne passe pas aussi peut-être éventuellement par un peu d'éducation civique ? Si, cela fait partie des valeurs de la République. La laïcité, oui. Le laïcisme, non. Et je crois qu'il faut faire très attention. Je voyais le communiqué de l'UNEF hier aux pulsions anti-religieuses qui peuvent aussi exister dans notre pays. Mais je redis, s'agissant de l'université, je suis contre le port du foulard. Il se trouve que les étudiants sont des personnes majeures. Si le port du foulard est une entrave à l'enseignement, alors il doit être interdit, par exemple pour une manip de chimie ou pour un cours de sport. S'il y a par ailleurs des provocations, y compris d'inspiration religieuse, pour empêcher tel ou tel type d'enseignement, on pense à l'enseignement de la Shoah, alors évidemment ces provocations doivent être vigoureusement combattues, mais autant il faut être présent et pertinent pour répondre à chaque situation qui se présente, autant une interdiction générale ne me paraît pas conforme aux principes de la République. J'ajoute que chacun est bien en tête que cette interdiction nécessairement viserait aussi d'autres religions. Je constate d'ailleurs qu'il ne faut pas se méprendre sur les chiffres. Oui. Le sondage publié dans le Figaro ce matin, c'est bien que 80% des Français sont contre le port du foulard. C'est aussi mon cas d'ailleurs. Ça ne veut pas dire que 80% des Français sont pour une loi interdisant le foulard. Et la différence entre ces deux attitudes, c'est ce qu'on appelle définir une politique. Une précision très utile et une nuance importante pour conclure ce débat. Merci beaucoup à tous.